Bonjour à tous et à toutes, femmes de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce du film Birds of Prey. Alors attention, c'est la seconde bande-annonce de Birds of Prey. On avait réagi à la première bande-annonce et d'ailleurs, la vidéo est disponible sur le petit i en haut à droite de votre écran. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn sera donc une histoire centrée sur le personnage d'Harley Quinn joué par Margot Robbie. Et je vais vous lire le synopsis. Vous connaissez l'histoire du flic, de l'oiseau chanteur, de la cinglée, de la princesse mafieuse? Birds of Prey et la fantabuleuse histoire d'Harley Quinn est une histoire déjantée racontée par Harley en personne, d'une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l'ennemi le plus abominable et le plus narcissique de Gotham, et son fidèle acolyte Zaz, décident de s'en prendre à une certaine casse, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la chasseuse, de Black Canary et de Rini Montoya, ce télescope et ce quatuor improbable n'a d'autre choix que de faire équipe pour éliminer Roman. Et ce fameux Roman Sionis, c'est le méchant que l'on appelle Black Mask et qui est joué par Ewan McGregor. J'ai hâte de voir ce que donne cette seconde bande-annonce et de voir un peu la folie d'Harley Quinn. Donc c'est parti, lumière moteur, ça tourne, réaction, générique. Birds of Prey, deuxième bande-annonce, c'est parti. Pourquoi ? Oh, monsieur l'agent, je suis ici pour vous informer d'un crime horrible. Quel crime horrible il s'agit ? Ouh ! Celui-là ! Oh merde, je raconte n'importe comment. Petit rappel historique. Tout a commencé quand le Joker et moi on s'est séparés. Par yes. Consentement mutuel, évidemment. Okay. Peu de temps après, je suis sur pied, prête à éveiller la divinité féroce qui sommeille en moi. Maintenant que j'ai coupé les ponts avec Monsieur J, je m'apprête à découvrir que plein de gens veulent ma mort. Et en haut de la liste, il y a lui. Mais il se trouve... que je ne suis pas la seule meuf à Gotham qui a besoin de s'émanciper. Wow. Il veut notre peau à toutes. La gamine l'a dépouillé. Soit tu l'as trahi, toi t'as buté son meilleur pote. Quoi? Alors toi, t'es trop cool. Et toi, t'es assez conne pour avoir mené une enquête contre lui. Alors, si on veut pas tous mourir dans des souffrances abjectes, faut qu'on se la joue collectif. Non. Wow. Wow. Vu sous l'angle thérapeutique, la vengeance apporte rarement la catharsis dont on a besoin. Certes. Alors, on est prêts? Yeah. Putain, vas-y, t'es une mienne dans une baignoire. Je m'appelle Bruce, en l'honneur de Wayne le beau gosse. Très
très bien choisi. Oh là là, elle m'a tué avec Bruce le beau gosse là. Waouh, cette bande-annonce de Birds of Prey est encore plus folle que la précédente et j'ai encore plus envie d'aller voir le film qui sortira le 5 février, donc du coup là c'est dans très bientôt là. Je suis content. Oui, 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 je suis content. Donc du coup, qu'est-ce qu'on retient de cette bande-annonce? Eh bien, franchement, c'est du très bon délire. Délire d'Harley Quinn. Génial. Donc du coup, il y aura plein de meufs qui seront reliées d'une certaine manière à Roman, à Ewan McGregor, à Black Mask. Et malheureusement, bon, elles vont devoir s'allier à Harley Quinn pour essayer de se sauver. Et par contre, ouais, Black Mask, il a déjà un masque assez stylé. Et il a une sacrée armé avec lui quoi, hein, et avec des guns, des machettes, on se croirait dans American Nightmare. Margot Robbie semble très folle dans ce film, hein, mais elle enchaîne des rôles mais qui se collent pas du tout. Elle joue dans Once Upon a Time in Hollywood, et un autre moment elle joue dans Scandal, et un autre moment elle joue dans Harley Quinn. Franchement, il y a de ces extrêmes. Beaucoup de monde se demande si ça va être bien, si ça va pas être une daube comme Suicide Squad. Donc, on essaye d'y croire, hein. On croit en Birds of Prey, on croit en Harley Quinn, et puis, moi j'y crois. J'espère que ce sera un bon film. Vaut mieux que ce film soit une réussite, selon moi, parce que là, je vais vraiment avoir envie de découvrir tout l'univers DC. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo, et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était Esprit Z, coupé.